Bonjour à tous, c'est Crime. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que le Père Noël vous a bien gâté, que vous avez passé un bon moment avec votre famille ou vos amis ou votre chien ou qui vous voulez. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on m'a lancé un défi sur Facebook. Donc c'est Fouya de Sims Artist qui a testé un nouveau défi et qui m'a demandé si ça m'intéressait de le faire. Et comme je ne sais pas résister à un défi Sims, j'ai bien sûr accepté. Donc en fait c'est un défi assez court puisqu'il ne durera que le temps de cette vidéo. Je vais avoir 30 minutes IRL, donc 30 vraies minutes de ma vie, pour exaucer un maximum de souhaits d'un Sims, voilà. Il va falloir que je crée un Sims tout neuf, tout beau, tout nouveau, et que j'exauce tous les désirs qu'il pourrait avoir. Donc il y a quelques règles, hein. Je ne peux pas supprimer un désir même s'il ne me plaît pas. Je ne peux pas utiliser de potions ou de traits de récompense ou quoi que ce soit. Je peux accélérer bien sûr, je peux mettre en pause aussi. Quoi d'autre? Je vais donc créer un nouveau Sims avec des traits aléatoires qu'on va aller choisir tout de suite grâce à un petit logiciel que j'ai sur mon ordinateur. Et je vais le mettre dans une starter et puis voilà, j'aurai 30 minutes top chrono pour réaliser un maximum de ses souhaits, essayer de le laisser le plus possible dans des humeurs positives parce que ça compte aussi pour les points, mais tout ça on verra les points à la fin. Donc écoutez, je crois qu'on est prêt, donc on se retrouve dans quelques secondes, juste le temps pour moi de lancer mon jeu, de tirer au sort les traits et de choisir une maison pour ce cobaye qui va nous servir à tester ce défi. Voilà, à tout de suite. Donc la première chose à faire déjà, c'est de déterminer les traits, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Oh bah super, on est mal, hein. On est mal les gars, on est mal, hein. Donc, ok. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai été chercher une Simset dans ma bibliothèque. J'ai téléchargé une starter sur la galerie. Donc, si vous me suivez un peu sur Twitter, vous avez reconnu la Simset que j'ai choisie pour ce défi. Hein. Il s'agit de Caitlin Sheeran. Qui est donc la fille de mon avatar et d'Ed Sheeran. Oui, moi j'aime bien dans les Sims, je me fais plaisir, hein. Je fais des bébés avec, avec tous les gens voilà, qui passent, que j'ai envie, des stars, Don, tout ça. Bref, donc c'est une Simset que j'ai toujours trouvée très très jolie et très très réussie. Donc du coup, eh ben, je l'ai embarquée dans cette petite galère de 30 minutes. Donc, c'est pas tout à fait elle, hein, c'est sa sœur jumelle, parce qu'il me fallait un Sims complètement vierge, hein, qui n'a jamais vécu dans le jeu. Donc je lui ai créé sa sœur jumelle pour pouvoir avoir un Sims vierge de toute action. Donc écoutez, on va y aller. À partir du moment où je vais presser sur le bouton play, j'aurai donc 30 minutes grand max pour exaucer un maximum de ses souhaits. Et puis écoutez, on est parti, on va y aller. Alors, on va juste quand même vérifier que toutes tes stats soient bien à zéro. Voilà, c'est le cas. Donc, elle commence la partie. Forcément, elle n'a aucun désir puisqu'elle n'a aucune humeur particulière. Donc, déjà, le premier, ça va être lui donner une humeur. Donc, je pense qu'on va aller... Voilà, ça, c'est la petite starter que j'ai téléchargée. On va aller lui faire prendre un bain avec je ne sais quoi. Allez, lavande, je sais pas ce que ça va faire. Juste pour lui donner un moodlet et donc des désirs par derrière. Allez. Voilà. Super, donc on a quoi? Attends, une petite pause. Donc on a envoyé un SMS, mais j'ai pas d'amis. Acheter un lave-vaisselle, on va acheter un lave-vaisselle. Et chercher des informations sur les vampires. Donc on va acheter un lave-vaisselle et puis on va acheter un ordinateur si j'ai assez d'argent, sinon on revendra des choses qui traînent là. Lave-vaisselle, on va se dépêcher parce que le chrono tourne. Hop, un lave-vaisselle. Voilà. Ah putain.
Hop. Voilà. Et on était à la vaisselle. Hop. Voilà, à la vaisselle. Et maintenant, un ordinateur. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour un ordinateur? Je suis pas sûre. Pour avoir la table de bord, de toute façon, on va pas s'en servir. Toujours pas. Qu'est-ce que je peux vendre? Des armes. On s'en fout des armes. Voilà, le tapis. Le tapis. Ah si, c'est bon, j'ai assez. Non, touche à rien, touche à rien. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, elle est contente. Donc tu vas aller chercher des informations sur les vampires. Ça, qu'est-ce que c'est? Regardez la télé. Allez, on va regarder aussi. Allez, go. Action, tu iras regarder la télé après. Et t'enverras un SMS quand t'auras des amis. Il y a bien des gens qui vont débarquer là. Voilà. C'est quoi ça? Acheter une piscine. Bon, acheter une piscine, bah t'inquiète. S'il y a que ça. Lire quelque chose. Alors, lire quelque chose. Elle veut que j'arrête la télé. Tu veux que j'achète une piscine? J'ai acheté une piscine, hein, ma foi. Ah, faut que ce soit une piscine pas chère, par contre, parce que j'ai plus d'argent. Hop, la table basse. On s'en fiche. Ah, toujours pas. C'est quoi, ça? C'est une boîte aux lettres, d'accord. Ah, voilà, on peut acheter une piscine. C'est une petite piscine, hein. C'est une piscinette. C'est... Voilà. C'est un bain de pied en fait. C'est... Ok, ensuite. Acheter une échelle de piscine. Ça va pas rentrer. Je sais pas dessous. Regardez la télévision communautaire. Je sais pas ce que c'est. On va découvrir ça. Regardez la chaîne d'action, humour, sport, pré-ado, romance. C'est communautaire. Je sais pas ce qu'ils entendent par télévision communautaire, mais ma foi. Alors, c'est bon, arrête de lire là. On s'en fiche. Ah, des amis. Allez. Voilà, va te faire des amis. Comme ça, on va leur envoyer un SMS. Voilà. Allez, va parler à la dame. Arrête de regarder la télé. Faire une sieste. D'accord. Ouais, j'avais oublié qu'elle était paresseuse. Voilà, maintenant, tu lui dis de s'en aller. Demander de partir. Voilà. Et tu lui envoies un SMS de bonheur. Parce que tu es happy. J'attends qu'elle soit barrée. Donc en attendant, tu veux une échelle. J'ai pas de sous moi. Putain, elle est chiante à vouloir que j'achète le monde entier là. Et moi ça, je suis obligée de revendre mes fleurs quoi. Pénible. Hein. En plus l'échelle, elle va pas rentrer. T'as vu la taille de la piscine? Ah ouais si, ça rentre comme quoi. Il en faut pas beaucoup. Hein. Voilà, elle est contente. On va attendre qu'elle se barre. Ah, tu veux lui faire faire des choses. Discuter. Bon, attends, tu vas discuter avant qu'elle se barre. Plus de choix, plus de choix, plus de choix. Amical. Discuter des centres d'intérêt. Allez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Finir de lire un livre. Alors, à faire une sieste déjà. Faire une sieste avec paresse. Voilà. Hop, ça suffit, t'as assez dormi. Et là, tu veux faire quoi? Lire un livre sur les vampires. Oh, j'en ai pas de ça, moi. Acheter des livres. Encore acheter. Fantastique. Non, mais je vais pas avoir ça là-dedans, des livres sur les vampires. Compétences, peut-être. Nanette, bricolage, charisme, comédie, cuisine. Écriture, éducation, fitness, physiologie, guitare, herboriste, jardinage, jeux vidéo, logique, malice, mixologie, peinture, piano, programmation, pâtisserie, pêche, violon, bah y a pour aller. Tant pis, ça, on va attendre que ça passe. Qu'est-ce qu'elle veut là? Raconter une blague. Allez, va raconter une blague. Drôle. Une blague. Une blague sur les hommes politiques. Allez hop. Voilà, elle est contente. Lier une amitié. Ouais, j'ai pas que ça à faire non plus.
lire. Tu lisais quoi tout à l'heure? Belle prison. Je sais pas si tu lisais ça, mais tu vas aller lire ça. Allez, ça suffit là. Pas de tapant à la causette plus tard. Vas-y, fais comme chez toi, mon vieux. Nous ne sommes pas les bienvenus. Ça fait 2 heures on discute ensemble, mais t'es pas les bienvenus, quoi. Allez, finis-le ton livre là. C'est pas une encyclopédie de 400 pages non plus. Allez. Lis une amitié, non, ça peut être possible. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Améliorer sa compétence bricolage. Ça va être compliqué, il y a rien qui est cassé là. On va acheter un livre. Hop, compétence bricolage. Volume 1. Bibliothèque. Ouvrir. Bricolage. Lire. Voilà, elle est contente. Ça y est là, non? Non, pas encore. Allez, hop, action. On se dépêche. Allez, allez, allez. Et maintenant qu'elle est barrée, elle ne peut plus envoyer des SMS. Elle m'énerve, elle aussi, elle m'énerve. Bon, voilà, nickel. Qu'est-ce que tu veux, toi-même? Un établi, acheter, toujours acheter, mais... Améliorer un objet. Bah, je sais pas si j'ai la compétence. Est-ce que tu peux améliorer? Bah non, je peux l'améliorer. Bon, on va attendre que... Parce que là, je sais plus quoi vendre, moi, les amis, là, pour... Pour aller acheter un atelier d'ébéniste. Voir si je peux vendre des choses encore et acheter un atelier. Le tapis là. Le tapis sert à rien, tapis. Oh mais. Je veux le tapis. Je veux pas la pièce. Le tapis, il vaut walou. Hein. La deuxième chaise, on s'en fout, elle est toute seule, elle a pas d'amis. Le tapis là-dessous, on s'en fout. La déco, autre chose à faire. Et combien ça coûte un établi? 750. Pardon. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Vendre. De toute façon, on a déjà vendu. On n'a pas vendu là et encore. Allez, hop. Prochaine fois, j'achèterai une cabane d'apocalypse. Hein, ça ira plus vite. On y est presque, les gars, on y est presque. Bon, un évier, est-ce que t'as besoin d'un évier? T'en as dans la cuisine. Voilà, magnifique. Puis avec l'atelier d'ébéniste, elle va fabriquer des trucs et puis lui rapporter des sous. Elle est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle veut? Aller nager. Pardon. Ouais, pourquoi pas. Allez, faire des longueurs. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, les longueurs, c'est hop, je touche un côté, hop, je touche l'autre, hop, je touche un côté, hop, je touche l'autre. Oui, non, voilà, elle peut pas faire de longueur là-dedans. Ouais, non, on est d'accord. Et j'ai pas de sous pour agrandir, alors on va hop, enlever ça. Et améliorer un objet, on va enlever ces deux trucs-là. On va utiliser... je crois que quand je suis sur le... Ah, voilà, puis là, elle est bien, donc elle a plus de moudelette. Tu vas aller faire à manger, cuisiner. Nous sommes déjà à 10 minutes... Quasiment, donc c'est un challenge qui va aller très très vite. Excusez-moi, je règle un peu la lumière, je vois que j'ai le visage qui est ouvert. C'est sympa. C'est ma clé chromatique qui merdasse, c'est pas grave. C'est pas grave, avec une grosse tache sur le visage. Hop, et c'est en coupant la lumière, ça a l'air d'aller mieux. Allez, on y retourne parce que je perds du temps, mine de rien. Allez hop, on s'en fout. C'est pas moi le plus important. C'est... Ah, alors attends, la récupère. Elle veut enlacer quelqu'un. Ouais, bah là, tu vois, j'ai personne sous la main. Alors, tu peux rappeler ta copine si tu veux, là. Inviter à venir sur le territoire. Hop. Ah, tu sais, tu peux l'appeler
et téléphoner en même temps, c'est... enfin, et manger en même temps, je veux dire, c'est... Allez, on se dépêche, parce qu'après, il va être trop tard, on va plus vouloir venir. Voilà, allez, bien. Petit peu de nettoyage, ça ne mangera pas de pain. Est-ce que je peux t'enlacer en toute amitié, bien entendu? Plus de choix, amical. Complimenter sincèrement. Plus de choix, amical. Est-ce qu'il y a déjà enlacé? Non, on se connaît pas assez pour s'enlacer. Éliminer la journée. Discuter des valeurs des propriétés. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, on est pas tenant, on peut s'enlacer, non? Enlacer. Et dépêche-toi là, parce que voilà, super. Qu'est-ce que tu veux faire? Appeler quelqu'un au téléphone et regarder les étoiles. Là, on va regarder les étoiles. Nickel. Demander à regarder les étoiles et puis après, j'appellerai ton mari. Parce que, juste comme ça, parce que j'ai besoin d'appeler. Voilà. Ah, donc ça sert plus à rien que j'appelle ton mari. Je vais acheter un chevalet, rencontrer une nouvelle personne et toujours aller nager. Donc on va acheter un chevalet. J'en ai marre d'acheter, j'en ai marre. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Peut-être pouvoir vendre la piscine en fait, parce que elle me sert à rien là, un par un. Voilà. Et tu veux un chevalet. Je veux un chevalet pas cher, moi. Voilà, un chevalet. Nickel. Bah, il n'y a plus de piscine, donc tu peux enlever ça. Qu'est-ce que tu veux? Proposer un plan fou à quelqu'un. Bah, tiens, puisque tu es là, tu vas en profiter. Voilà. C'est parti. Allez. Ensuite, contempler une œuvre d'art. Je suis pas une œuvre d'art là. Je suis pas des tableaux au mur. Ah, oh, si j'ai des tableaux. Non, c'est pas une œuvre, c'est pas un tableau. Ah, bah si j'ai des tableaux. Voilà. Oh, bah, heureusement, je les ai pas vendus. Bah, contempler. Waouh, c'est beau. Des tableaux. Acheter un bain. Sérieux, j'en peux plus d'elle. J'en peux plus. Elle pense qu'à acheter, quoi. Elle va dormir. Voilà. Si tu pouvais te barrer, toi, parce que tu m'empêches d'aller vite, là. Allez, rentre chez toi. Demander de partir et dormir. Allez, go. Ciao, au revoir. Merci d'être venu. Voilà. Allez, on recharge les batteries. Ah oui, ah, je suis sur un terrain avec des gnomes, a priori. Voilà, c'est bon, t'as dormi, debout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ouvrir, prendre une portion. Eh bien, la même chose qu'hier, hein. Mais j'ai pas trouvé de livre sur les vampires. Acheter des livres. Douce teinte de crac-crac. C'est pas mal. J'ai pas trouvé. Oh, c'est pénible ça. J'aimerais bien, mais je sais pas quoi faire. Les 50 nuances de mes fenêtres. Bien sûr, bien sûr. Pff.
Non mais ça existe pas, les livres sur les vampires en vrai. En tout cas, il n'y en a pas en vente dans ma bibliothèque, hein. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on va changer de... Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer de moodlet. On va... prendre un bain, tiens. Prendre un bain de mousse. Alors, on va changer de moodlet, ça. Allez. Et on vient de passer la moitié du challenge, donc... Ah, voilà, ça change tout. Raconter une blague. Mais j'ai pas d'amis! J'ai pas d'amis! Allez, viens, toi. Elle veut pas venir. Toi, tu veux bien venir? Voilà, viens. Tu vas être mon ami. Tu le sais pas encore, mais... C'est toi que j'ai choisi. Allez. Bon bah, sors de là. Oh, putain. Je vais la tuer. Allez, salut Justine. On va être amis. Raconter une blague. Invitation amicale, voilà. Allez. Ouais, allez, viens dans les toilettes. C'est trop bien pour se raconter les blagues. Plus de choix. Drôle. Raconter une blague sur les vampires. Tiens. Allez, arrête de parler. Voilà. Ça veut pas partir. Hein. Taquiner quelqu'un. Ouais, en plus, on va se faire un ennemi, quoi, avec ces histoires. Allez. Voilà, tu voulais pas partir là, vous deux? Commencez une toile joueuse. Un joueur. Ah oui, j'ai pas de sous. J'ai besoin d'argent. Bon, de toute façon, on va pas foutre le feu. Voilà, super. Putain. C'est la dèche. Allez. Voilà. À finir la toile, ça va rapporter de l'argent. Faire des grimaces devant le miroir, ça je peux le faire. Allez, arrête de peindre, tu finiras plus tard. Ce serait bien que les deux machins s'en aillent là. Faire une imitation pour quelqu'un. Plus de choix, drôle. Faire une imitation. Toi, tu vas rester avec moi, tu vas squatter ici jusqu'à la fin du challenge, je sens. Là, il y a ces petits fameux blagues idiotes. Envoyer un SMS joueur. Hop, on laisse ça à ta femme. Sortons et allons nous amuser. Non. Regardez la chaîne humour. Regardez la chaîne humour. Envie de sim, réaliser sans envie de sim, ça va, c'est bien. Elle veut aller où? Aller au parc. Non, j'aurais préféré qu'on reste à la maison, moi. Améliorer un objet. Mais si je fais un truc, là, ça va faire monter ma compétence bricolage, non? Après qu'il y a une sculpture. Allez, sculpture enjouée. Allez, c'est pas cher. Après, tirer en toilette. Ça doit faire monter le bricolage. Ouais, voilà. Si j'arrive à monter le bricolage, je dois pouvoir bricoler quelque chose par ici. Est-ce que je peux acheter des pièces? Commander. Acheter des médicaments, acheter des graines, des pièces d'amélioration. Je sais pas lesquelles. Ah mais oui, mais j'ai pas de sous. J'espère que c'est celle-là, parce que c'est celles-là qui sont pas chères. Améliorer. Voilà, nickel. Allez, vas-y. Hop, manger. Qu'est-ce qu'il veut? Devenir ami avec Justine. On va le faire revenir, t'inquiète. Voilà. Allez.
finir de lire un livre. Allez, mange, dépêche-toi. Tiens, lire quelque chose. Non, pas lire quelque chose, lire un livre. Lire la première licorne. Il va y avoir beaucoup de pages, un livre pour enfants. Voilà. Complimenter sincèrement. Il aime la journée, il faut qu'on devienne amis. Plus de choix, amical. On peut s'enlacer déjà, s'il te plaît? Non, on ne peut pas s'enlacer. Ah bah, j'ai plus envie de l'enlacer maintenant. Bon, allez, fini le livre. Ah, ça y est, je veux rencontrer une nouvelle personne, non? Devenir ami, c'est long de devenir ami quand même. Qu'est-ce que tu... Voilà, tu veux autre chose. Devenir concentré. Bah, je lui fais lire un livre, là. Tu devrais être concentré. Allez. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Lire quelque chose. Je vais continuer à lire, ma foi. Voilà. Ensuite, tu veux faire quoi? Améliorer sa compétence bricolage. Ça, c'est possible. Ah non. Pourquoi j'abandonne? Je peux pas rien en faire. On m'a abandonné alors. Fabriquer un meuble. Une jardinière. Allons-y. Allez, hop, hop, hop. Il nous reste moins de 8 minutes pour finir. Voilà. Allez, allez, allez. Ou elle est pas contente. Elle s'est fait mal. Bon, allez, reprendre toi, bon jouet. Et en plus, on n'a pas la jardinière. Donc, faut vraiment que je vende la toile. Pour me faire un petit peu d'argent. Allez, allez, fini la toile. Ça y est, c'est fini. Vendre. Ouais, ouais, ça paye pas les masses. Hein. Fabriquer un meuble, tabouret de bar. Allez, hop. Se laisse pas abattre. Déjà que t'as un mauvais moulette, faudrait au moins que tu montes ton bricolage. Allez. Allez, 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 allez. On y croit, on y est. Tu le fais pas mal. Voilà, super. Ah mais t'as pas fini, putain. Ah, un meuble. Allez, un pot de fleurs, allez, soyons fous. Par contre, c'est dans l'inventaire, on va les vendre. J'ai cru voir. Voilà. Vendre. Vendre. Allez, il te reste un peu plus de 5 minutes. Super. T'es mal à l'aise. Allez, va dormir. Acheter un échiquier. Ça coûte combien un échiquier? Ben, ça coûte trop cher un échiquier, ma grande. Si t'as pas de sous, ça va pas être possible. Hein. Moi, je sais plus quoi vendre. Hein. Si tu veux, à un moment donné, par vendre les murs. Je vais essayer de vendre la déco, mais pas sûr que ça rapporte suffisamment pour un échiquier, quoi. Bah non. Donc le test sert plus de l'ordinateur. Allez, hop. Il va vouloir jouer, je suis sûre. Voilà. Allez, hop. Allez, hop, j'ai dit. Voilà, et maintenant tu peux aller dormir. Acheter une piscine. Elle me saoule! À vouloir acheter là tout le catalogue. Elle m'a l'air qu'on était riche. T'es un peu vendre. On peut vendre une porte. Pas besoin de deux portes après tout. Hop là, magnifique. On va lui remettre sa super piscine Kirox. Essayer de la faire un peu plus grande parce que sinon elle va encore nous dire que. Elle veut faire des longueurs dedans et ça va pas être possible.
Voilà. Dans 30 secondes. On va attendre qu'elle veuille l'échelle, ça fera des points en plus. Allez hop. Il reste 4 minutes. Non, non, c'est bon. Voilà, Dislos. Ça va aller. Merci, mon gars. Voilà. J'aime bien la petite musique, c'est sympa. Prendre une portion. Allez aux toilettes. Elle est assez dormie. Là, il reste 4 minutes. Je ne vais pas. Allez, nager. Tu peux nager là, tu crois? Je suis pas sûre, mais essayez. Allez, t'as assez mangé aussi. Voilà. Alors. Ah, c'est bon, je veux pas d'écouteurs. Ouais, elle peut nager. C'est beau. C'est beau. Ah putain, on tourne en rond, c'est horrible. Allez, nage, ça va pas te donner un moodlet, ça, c'est pas sympathique, non. Bon, et ben hop. Il nous reste 3 minutes. Prendre un bain avec un mélange pétale de rose, tiens. Ah non, parce que pétale de rose, à tous les coups, elle va être enjôleuse, et comme elle est toute seule, miel et faucon d'avoine. Allez hop. Allez hop. On accélère. Allez. Allez, elle est heureuse. Il y a une amitié. Ah, elle m'énerve. Il n'y a personne. Avec qui tu veux lier une amitié? Elle m'énerve. Allez, va faire une stratégie. Ça va te rendre concentrée. Peut-être envie d'autre chose. Il reste 2 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Regardez une partie d'échec. Oh là 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 là. Récupérer des objets. Eh, mais j'arrive pas à réparer d'objets, il n'y a rien qui casse. Bon, tu veux que je répare des objets? Bon, bah, je crois que c'est mort, là il reste 2 minutes, je sais plus quoi lui faire faire. Oui, oui, Justin, oui. Je sais plus quoi lui faire faire. Alors. Il reste un peu plus d'une minute, mais. Ben, décontractant, tiens, allez hop. La dernière ligne droite, si on pouvait choper quelque chose rapidement. Allez, énergiser, qu'est-ce que tu as envie de faire? Faire des pompes, ah, ça on peut. Faire de l'exercice, faire des pompes. Allez, go, dépêche-toi, dépêche-toi, il reste 55 secondes. J'ai l'impression de jouer à Fort Boyard, sors, sors, sors. Allez, courir, allez, va courir. Ok, va courir. Jogging énergisé. Allez hop. Allez, dépêche-toi, il reste 40 secondes. Magnifique. Est-ce que tu croises quelqu'un? Il n'y a pas de gens ici. Les gens! Je cherche des gens. Bonjour? Non, il n'y a pas de gens. Ah bah de toute façon elle est mal à l'aise et il reste 10 secondes donc je crois que c'est terminé. Voilà, 5 secondes, je sais plus quoi lui, qu'est-ce que c'est ça? Faire un entraînement de danse. Ah mais ça va être trop tard et non, c'est fini. Voilà, on vient de finir ces 30 minutes de challenge donc maintenant on va aller s'occuper des points. Alors juste je regarde vite fait... Sur le lien, en fait, où il y a les... Ça s'appelle les règles, juste pour voir un peu comment on compte les points. Donc, à la fin des 30 minutes,
Mettez le jeu en pause et notez les points de satisfaction de votre Sims, le nombre de fois où votre Sims a été dans un état émotionnel négatif et le nombre de fois où votre Sims a été dans un état émotionnel positif. Ah oui, donc en fait, le nombre de machins, on s'en fiche. Alors, les points de satisfaction de mon Sims. On va aller voir ça tout de suite. Elle a 1310 points. Donc on va le noter. 1310 points. Ensuite, on va aller voir dans ses statistiques. Alors, nombre de points. Émotion. Nombre de positifs. Ah oui. Alors, on va prendre les positifs. On en a une, deux. Donc, ça fait 11, 12, 13, 14. Donc, on a eu 14 émotions positives et 9 émotions négatives. Donc, on est d'accord que ça fait 1001. Alors, état positif moins état négatif. Donc, on a dit, ça y est, j'ai déjà oublié. Donc on a dit 14 moins 9, hein, c'est ça, il faut que j'y retourne. 1, 2, 11, 12, 13, 14. Donc 14 moins 9, on est sur 5 donc. Et donc on doit faire 5 fois 1310, hein, si j'ai tout suivi. 5 fois 1310 égale, nous sommes donc à 6550 points. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un bon score ou pas. On va voir ça une fois que mes petites camarades auront fait le défi aussi. Et puis on pourra comparer. Voilà. Donc c'était un défi très intéressant à faire. Je me suis beaucoup amusée. J'espère que vous aussi et que éventuellement vous vous lancerez dans le défi. Je vous mets en commentaire juste en dessous la vidéo de Fouya qui fait le défi et qui explique les règles, et je vous mets aussi la page avec les règles sur Sims Artist. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.